Alors il faut préciser une chose. Il ne faut pas qu'on mette trop de sentiments dans cette affaire. Le contexte dans lequel ce procès se déroule ne veut pas qu'il y ait plusieurs journalistes à l'intérieur. Commençons d'abord par ça. Parce que nous sommes journalistes, nous ne sommes pas des hors-la-loi. Nous avons des lois de la République et nous avons des décisions qui sont prises par les autorités du pays auxquelles nous devons nous soumettre. Parce que le fait d'être journaliste ne nous dédouane pas du fait de répondre comme des citoyens. Nous sommes des citoyens comme tous ceux qui sont à Bunagana, à Okwilu, dans le Congo central, à Gab, dans le Katanga et que sais-je encore. Maintenant, confinement, ok. Pas de rassemblement de plus de 20 personnes. Ça peut être une mesure un peu exceptionnelle où on peut avoir 20, 30 personnes. Le problème se pose à quel moment? Lorsque le procès, la date a été fixée, nous étions déjà pendant le confinement. Et le parquet et tous ceux qui gèrent l'appareil judiciaire savaient qu'il y avait une mesure interdite au rassemblement de plus de 20 personnes. Mais il y a des autorisations qui ont été données à certains médias de pouvoir travailler et de couvrir cette audience. En dehors de la RTNC, il y a des médias privés qui ont eu l'autorisation du parquet du président du tribunal de pouvoir couvrir la manifestation ou l'audience d'aujourd'hui de Vital Kamerhe. Alors le matin, à la grande surprise des journalistes, la décision est tombée. Quand est-ce que la décision a été prise, on ne sait pas. Quelles sont les motivations réelles, on ne sait pas. Alors là maintenant, on peut se poser la question de savoir pourquoi d'abord avoir autorisé les médias à filmer, certains médias à travailler, et puis par la suite, revenir sur la décision. Est-ce que c'était une décision juste pour calmer les médias, parce qu'au départ, on savait que le journaliste n'allait pas accéder, ou bien c'est restreindre la liberté des professionnels des médias de pouvoir travailler. Moi, je ne voudrais pas me livrer dans l'intox, je ne voudrais pas non plus jeter de l'opprobre ou le discrédit sur les autorités policières et judiciaires. Non, ça va. Mais maintenant, ce que je voulais rajouter. Attends. Ce que je voulais ajouter, c'est le fait que nous acceptons de rester dans nos bureaux respectifs et travailler à partir de bureaux, c'est possible, mais à condition si la RTNC faisait en direct. Mais bon, jusqu'à preuve de contraire, nous devons nous soumettre. Si l'autorité a décidé que les médias n'accèdent pas, vous voyez que nous sommes dehors, nous pouvons nous plaindre, mais il y a des raisons parfois qui peuvent s'avérer par la suite fondées. Et pour l'instant, on va essayer de faire comme on peut. Et attention, parce qu'il ne faudrait pas que ceux qui sont à l'intérieur aussi puissent donner des fausses informations aux journalistes. Sinon, il y aura, on va dire, des journalistes qui ont des informations, ou ils sont dans l'intox, etc. Nous voulons vraiment travailler pour ce procès, comme tout autre procès. Ce n'est pas aussi grave que ça. Il s'agit du directeur du cabinet du chef de l'État, peut-être. C'est à ce sens-là qu'il y a une grande motivation pour certains de pouvoir couvrir ce procès. Mais moi, j'en ai l'habitude et je pense que faire de notre mieux pour informer l'opinion et halte à l'intox, à la désinformation. Nous ne sommes pas là pour faire le buzz. Je comprends la décision, mais je crois qu'à l'avance, il fallait au préalable déjà fixer les médias pour que nous sachions qu'il n'allait pas avoir parce qu'il y a une mesure qui interdit les manifestations de plus, le rassemblement de plus de 20 personnes. À ce sens-là, nous pouvons comprendre. Et bon, voilà. Merci. Pour le lobby, hein. Non, mais il faut qu'on... Oui, moi j'ai ma lettre. Il ne faudrait pas... Mais Bibi, ce qu'il faut éviter, c'est de tomber dans l'intox. Parce que nous, on va dire pourquoi ils ont fait ça. Alors qu'il y a une décision. Maintenant, le problème ici se pose seulement au niveau que
déjà au départ, il y a des médias qui ont été autorisés pour travailler. Non, mais on a dit même Canal. Oui. Canal, non, mais il n'y a que la RTNC qui est autorisée. Je crois que dès le départ, il fallait que nous soyons déjà fixés, déjà vendredi ou jeudi, quand Canal. Oui. Voilà. Demain, nous ayons l'accès. Donc voilà. Ok, on est fou. Non, on est fou. Mais il faut bien expliquer. Omoni, tout ça comprend. Omoni, ma bibi, moi je dis ceci. Nous sommes des journalistes, mais nous ne sommes pas des hors la loi. Hein? On est obligé de respecter aussi les lois prises par les autorités, n'est-ce pas, maman? Et ça, c'est que pour un journaliste que obligatoirement il faut prendre la pratique. Ça, c'est faux. Oui, mais ça, c'est faux. J'étais en train de filmer parce que tombé par votre lit.